Alors, c'est un peu nanga Sarah Kabingé le mythe à la grande envergure qu'occupe ta nabino mukulalelo. Naïb saki bune te toko lukae, to luki et il nous a donné cette opportunité quand bien même que l'occupation n'a pas assez disposé, n'a siège à partir, n'a au mingi balubaka et existe à rater. Mais biso toye ko découvrir un peu comme mon ayango. Et Zali Bongo, mon amboka prince et pengé. Zali Bongo, président ya ADD Congo, hein, parti cher n'a pu les cadres de la Mouka, n'a indépendant. Démocratie du Congo, les mains MK buzz officiel, n'a pas si bien membre, si on partage, bien. Moussa n'a pas de soutien à Bino. Alors, Bino Borosuna, Bisho n'a pas de bende à l'obarana, le sambo, n'a pas de bon, n'a partager, n'a pas liker. Alors, tout le monde a été en train de se faire, Mme démocratique du Congo, sommet aux alliés, qu'on s'est mis à côté de la bonne accord, il y a 10 à Béba, accord cadre, il y a 10 à Béba. Est-ce que le lot, il y a la vérité entre le président Obasi Koya, est-ce qu'il y aura réellement la paix au Basali Koloba, M. Teba, Rigbat, revoir accord Wana? Qui m'y cause là, surtout puisque tu as dit ma victime, plus de 20 ans, l'Est de la République démocratique du Congo manque la paix. Qu'est-ce que nous allons te causer le coup la résultat de la rencontre au Toko bête appelle l'isolé à Séni, au Wapi, moi n'amboka, balayo tuko leka, au Totako Mona, moi n'amboka Denika Dima, appelle si bon feuille de route, na eliko, n'ango chef de l'État Koutani, na bandeko na biso nyonso, au Nip, banka nyonso, basitoucho nyonso, pour n'organiser l'élection. Est-ce que bandeko na biso, bazali vraiment, bazali contre élection, tout pour élection, biso tozaka na ba question, ba réaction, pas na bino na ba commentaire, ba réponse, et pas invité na biso, et on appelle si mbote. Bon, très bien. Bandeko baye bio mais mingi msusu balingi bayo kata présentation pa ne kosala ba on peut bien. Mais présentation za mosala na za ngaité. Dana présenta ki yo. Yo so poko ba ki sa tout c'est ça. Je crois que ça suffit. Yo za déjà journaliste crédible donc o yo présenté ngaye parce que boyo ki. Je crois que n'habité msuke da style émission na yo mais vous avez compris qu'il est là. Moi, je suis Prince Epengé. Je suis Tomoni, président Ebele, Yamukili, presque Afrique. Je suis un colonel de Bongo, en tant qu'acteur politique, est-ce qu'un pacte est causé positif ou négatif pour la situation qui prévaut déjà à l'est de la République démocratique du Congo? Oui, merci pour mon tour, Malamu. Babengi Ango, sommet pour la suivi à accord cadre si la paix, la sécurité et la coopération pour le Congo et dans la région des Grands Lacs. Alobi, accord cadre pour la paix, la sécurité. Est-ce que l'accord OUAN est signé en 2013 jusqu'à l'autre, comme 10 ans, pour la paix et la sécurité? Est-ce que la sous-région sécurité est allée? Est-ce que la paix est allée? Surtout à ce qui concerne le Congo, parce qu'avant tout, il s'agissait du Congo et des pays de la sous-région. Donc, il n'y a ni paix ni sécurité. Donc, les Tombani ne te causent pas, c'est qu'on a suivi l'accord. Quand c'est Hollande qui communiquait au président, mais à la Mouka, à Bimsaki Lobby, et à la présidente Martin Fayulu, et à la présidente Adolphe Mouzito, pour dénoncer le caractère déséquilibré de l'accord. Il a dit ça ne veut pas si la paix et la sécurité. Accord Wana a été signé en 2013 sous Joseph Kabila. Parce que tout outil en 2011, contestation électorale en 2011, papa était un secrétaire de gagné qui l'élection, Kabila a sali coup d'État, a botolé Bokonzi. Et tu as un M23 qui suit en 2011, 2012, 2013, accord et salami. Notamment pour le groupe armé, le groupe Batikamandouki, Makambe Kemalam. Accord Wana, les alliés déséquilibrés, Pambate, et sa libre obligation pour le Congo.
mais ça n'est pas obligation pour nous payer à sous-rejeter. Toi, dans 9 pays voisins. Alors, pense à ça. À quoi on est lobby de Congo et Sengile, ça va réformer l'armée, ça va réformer la police. Et le gouvernement, il faut besoin de respecter l'équilibre, équilibre plutôt, il y a la tribu à Congo, géopolitique. Et à quoi on est lobby de Congo et Sengile, ça dialogue, puis qu'on a réconciliation à l'interne. Maintenant, Motune Yali, pour la Rwanda, l'Ouganda, Burundi, particulièrement pour la Payouana, à quoi on a obligation à Angou et Sali pour la Payouana et la Nine? Zéro. Yandé. C'est-à-dire que ma personne a obligation à te. Oh, vous, savez, vous connaissez tous que Batubago s'aimait désolation et pas Nabiso et Zali, ADF Nalo. ADF Baba Congolete, Bazabou Ouganda. Bah tu se mettre des relations par n'importe quel aliba FDLR, basa banane, basa barwande. Pour la ligne qu'on exige démocratisation na Congo, bah élection madame na Congo, qu'on exige bah réforme ya bah institution na Congo, ya armée la police, y compris électoral na Congo, mais bah ceux qui na Congo, bah obligé bah pays ou na sous-régenté. Bien entendu, réforme ça na Congo c'est une bonne chose. Démocratie s'est imposée dans le Congo, c'est une bonne chose. Réforme armée et police, ils ont dit qu'ils ont dit Congo. Mais c'est un peu basse à l'angle pour la Rwanda, pour la Ouganda, pour la Burundi. Pourquoi je le dis? Ok. Parce que ce que tu as dit bien, le problème est à Rwanda, il y a un problème dans le Congo. Le problème est à l'Ouganda, il y a un problème dans le Congo. ADF Nalu, ils ont dit que le bateau est une dictature à Museveni. De bailler na Congo. Oh, ce qui on a obligé à Museveni de se réconcilier avec ses frères, d'entamer les processus démocratiques, d'organiser des dialogues chez lui, comme on oblige au Congo d'organiser des dialogues chez nous, bah ADF va causer pas na Bango, bah se réconcilier Bango na Bango. Bah réfugiés ougandais wana bah bon makana butu pas na biso. Bakozonge pa na bango na ba meme na bango na ba arme na bango bakurande ba arme pa na bango bakoyuka ne pa na bango et les juifs vont faire la paix chez eux, ils vont nous laisser en paix chez nous. De la même manière, les juifs bakoloba na FDLR, Kagame, tu dois organiser un dialogue chez toi, tu dois ramener tes frères qui sont au Congo, bayokana ba ADF wana ba ancien tueur en série wana, si on dit allez chez vous, allez faire la paix, pardonnez-vous entre vous. Ces jours-là, ADF, Bakozonge et Panabango, ils vont nous laisser en paix. Attention, ça demande une certaine intelligence pour comprendre cette démarche-là. Et c'est comme ça que. Quand tu organises ce sommet au Ezate. Non. Sommet au Ezate. Ezate, le coup là. Bako Beta, le coup là, l'équipe est à FC Mbandaka. Bako Beta, Poutoukou, Poutoukou. Oh non, ne faut pas dire ça. Maman. Cohésion réalité. Vision réalité. Bamboka isangani uzo ba makama bongo bana mboka principe. Mais tango bamboka isangana na conférence de Berlin en 1885, c'était pourquoi? C'était pour au Kabul Afrique. Sommet wa tout ça à na Belgique les années. Toujours pour viser le Congo. Donc ba était ça na rapport na bulama ba peuple était. Donc était ça na rapport na malheur à peuple. Donc nous la démarche au Nabiso d'ailleurs to banyango le noter. Nous étions en 2021 na Sénat français, docteur Mukwege et président Martin Fayulu. Toujours pour cette histoire d'accord cadre d'Addis Abeba. Là, on continue. Donc, on dit qu'aspirana, qu'on fait des obligations qu'au Congo, pas aux pays voisins. Donc, accord cadre d'Addis Abeba, ils allaient à Congo déséquilibre. Deuxièmement, dans le cadre d'accord cadre d'Addis Abeba, bah interdire. Naba état il y a sous les gens toi il y a Grand Lac les Camboyako armés par individu par groupes armés peu importe côté de la banque pas voisin là yo or que tout le monde sait Nations Unies moi c'est par rapport au Bela lobby les Rwanda continuent à armer les pays voisins et plutôt qu'armer par Tomboki peu côté de la banque on a pays voisin l'Ouganda continue d'armer par Tomboki peu côté de la banque on a Rwanda. C'est-à-dire que les Rwandais et l'Ouganda, au Bayé, au sommet, continuent de violer l'accord cadre d'Addis Abeba. Il est interdit strictement l'accord cadre d'Addis Abeba
dans les pays, il y a des gens qui ne sont pas voisins pour semer des troubles. Pourquoi le Rwanda et l'Ouganda continuent d'envoyer des gens pour semer des troubles chez nous? Il est interdit dans les pays voisins, il y a des gens qui sont mais plutôt, il y a des gens qui dans les affaires intérieures. Mais tout le monde sait que Makamba Congo, le Rwanda continue à mettre son nez, Kagame continue à mettre son nez. Il est comme nous. Ah bon? Matambo ya rapport mapinga. Ouga qui va proposer Kagame? Mais c'est un rapport international. Ah mais qui concerne le Congo? Mais aussi d'autres pays. Na matambo ya makambo ya ba massacre classique ah 1998 au bateau Rwanda massacre. Tu as attendu sinon? Dans tous les presque tous les débats internes, même na makamba moi ambassadeur ya Italie. Donc Kagame s'ingère dans nos affaires. Vous avez entendu son dernier propos. Ah ouais. Abi, il est prêt à envahir le Congo quand il veut, s'il veut ou il veut mutoko. Donc à mon avis, Félix c'était. Mais oui, à l'obéango, na kosenga autorisation pas mutoko côté. Mais yo il oso akize Paul Kagame na makambo belé qu'il est responsable que les accords ne sont pas respectés, l'accord n'est pas équilibré et autres. Mais tu bien teka Kagame moko wana ayebisi biso ete makambo nyonso ekosema na SRP démocratique du Congo parmi ba commanditaires bazali pe awa na capitale à Kinshasa. Yo en tant que politique, est-ce ces allégations sont fausses ou bien vraies? Mais ces allégations là veut dire aussi ingérence ya Rwanda. C'est-à-dire que Kagame ne tourne pas sa langue mille fois. N'hésite même pas à entrer dans les affaires du Congo. Ce qui viole l'accord Kadadi Sabeba ou Yeboyaki, l'ingérence. Donc bref, l'accord Kadadi Sabeba est allé déséquilibré. Cet accord a une bonne partie. Réforme, il y a des institutions, réforme, il y a CENI, réforme, il y a armée, et tout ça, il y a de bonnes choses, mais il y a beaucoup de mauvaises choses où ils allaient qu'on préjudice le Congo. Mais et là, ce sont les qui sont bien d'accord avec Addis Abeba, c'est que l'accord avec Addis Abeba, parce que c'est l'accord aussi, là, si le Congo. Dans la région, il y a Grand Lac. À quoi on est lobé pour cimenter la coopération, pour faciliter la coopération et c'est la richesse à Congo et à la partager entre les pays voisins. On le dit avec des phrases. Mais s'il faut partager, en fait, intelligente. Non, c'est pas ça. Soyez sérieux. Est-ce que content d'habiter vraiment beaucoup ici? Tout est que la content dans le Rwanda. Quoi abattuté? Pour Rwanda ça non. Rwanda recherche chez nini au hasard dans moi dans ma domaine dans ma téléphone high tech au tout est que là il content d'habiter. Ceux qui sont content d'habiter tout est que ma table est malade tout il y a un pays où bah au téléphone bah smartphone à malonga tout est content. Or on habite au Félix a tout signé bah quoi ah ouais pour nous tout est que la Rwanda. Si vous êtes sérieux, d'accord, mon camion n'est pas bon. Bah, off, non, n'a pas baffé, non, ni au Rwanda, Zanango, à transformer, oh, on a bisou. Mais s'il est peut-être de partenaire. Non. Donc, ça dit que ce n'est pas ça le problème. Ça dit que, bah, les choses à Congo, ils ont mis à la disposition de bah, tous ces pays voisins, Bango, Bando, Nayango. Déjà, on est pris d'ici. Est-ce que vous savez que l'Angola exporte du pétrole, ils ont la frontière, ils ont Bango, sans que Bapé s'abissou, bah, dividende? Donc on peut gaz, méthane, nous kuna malade qui, bah gaz est belé, bah nous avons malade kuna. Et pas Ouganda, pas Rwanda, sans que monsieur Dozo appelle une partie il y a un falanga qui nous revient des droits, nous revient des droits plutôt. Donc le Congo est faible. La diplomatie la plus faible est à Congo Sikawa et c'est à Congo ils a mené sous Félix Tshisekedi. Non moi je ne pense pas parce qu'aujourd'hui avec Félix Tshisekedi, tout ça qui sous une opportunité ça fait deux années. Il y a des échanges, il y a des accords qui promettent qu'il y aura le développement de la République démocratique du Congo. Comment alors on peut critiquer encore la diplomatie avec qui c'est que des accords qui m'ont tant mais tout haine au bateau et bataille ça. Naïbio n'a maillé les mamans, mais on va dire que c'est vrai. Parce que mon talibos n'a pas assez peu pour mon look, il n'a pas eu de temps. Il n'a pas eu de temps. Il n'a pas eu de temps. Ennemi naïe, aïe kota laïe pa naïe. Non, maman. Et puis, est-ce que vous avez dit que le président de Bakoya nous perdons de l'argent pour l'accueillir, pour organiser les hôtels et tout ça? Vous savez qu'on perd de l'argent. Mais par contre, qu'est-ce que nous gagnons après? Les accords avec la Turquie, vous avez vu. Il y a 6 accords ou 7, si je ne me trompe pas. Même 20, Bakissa, même 100. Mais vous verrez que c'est de la poudre aux yeux. Non, il ne faut pas dire ça.
Mais lui, déjà, il y a beaucoup à salir 5 fois le tour du monde pour le Kabakor. Dites-moi, réalisation Bakor, concrètement. Vas-y, 3 ans, vas-y. Moi, je quand même toi. Moi, je n'ai pas pensé. Pour nous, nous avons l'amour que nous avons fait prophète des malheurs pour la République démocratique du Congo. Nous avons des investisseurs qui ont été maintenant à confondre. Voilà. Nous avons des investisseurs qui ont été investisseurs. Babi Pepsi à Koya na Congo. Vous savez, avec Félix Tshisekedi, tout ce que j'ai au futur. Non, soyons sérieux. Bon, bâtir que Baye. On a eu même des bateaux à Serbie, au Baye, Babi, qui a investi 30 milliards dans le secteur agricole depuis 2019. Vous avez Émirat, oui, Émirati, oh, bah, que le chef d'État congolais n'est pas sérieux. Non, il ne faut pas dire ça. Si, ils ont dit. Non, ils n'ont pas dit ça. Mais moi, au Bengal, c'est pas ce qui vous confond. Moi, je ne sais pas si Daniel est là. J'ai l'impression que vous commencez à nous confondre avec ces gens-là. Oui, mais j'ai l'impression que quand vous nous appelez, vous pensez que vous êtes devant ces gens-là. Non, mais tout n'est question. Quand on vous dit des choses, j'ai l'impression que vous avez l'impression que ça vient de la planète Mars. Non, je vous parle des choses. Vous avez appelé un acteur politique de premier plan. Je vous dis des choses et ils vraies. Et vous dites, non, ce n'est pas ça. Alors, ce qui est ça, ce n'est pas ça. Dites-moi ce qui est vrai. Et comme ça, on en discute. Moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est Bolongulabe Kaiwana, sous Mobutu. On a vu ba roi, ba reine défiler à Wa. On a vu ba combat Ali Foreman, ba astronaute américain Riz, ba yé à Wa. On a vu Mobutu Kendokozwa, ba plus grand sportif, ba yé à Wa. Mais concrètement, qu'est-ce que le Congo a gagné? Mais c'est pour mon interscolaire, youti ko beta mayabana awa, ba pays africain. C'est pourquoi j'ai dit. Félix harcèle tous les dirigeants du monde. Comment ça? Baya na Congo, parce que lui pense que plus les gens viennent au Congo, plus ils visitent les chefs d'État africains, les chefs d'État européens, américains, plus ils marchent sur le tapis rouge, plus ils deviennent légitimes, il devient président qui sera accepté par les Congolais. Il faut être au 3e siècle avant Jésus-Christ pour penser comme ça. Erdogan est arrivé ici. Il est reparti. Tous vont venir ici. Et après, vous croyez que Joseph Kabila n'a jamais été visité? Joseph Kabila a été reçu par trois ou deux présidents américains. Joseph Kabila. Non, j'ai fait ce qu'on appelle l'analyse politique comparée. Joseph Kabila a été reçu, je ne crois pas, à George Bush. Azaki, je crois, reçu qui encore? C'est pas si c'est pas Obama. Je suis convaincu au moins qu'il y a des présidents américains qui avaient reçu Joseph Kabila. Et après, ça a donné quoi au pays? Donc, ce n'est pas ça. Vous ne pouvez pas évaluer l'efficacité de la diplomatie par le nombre de voyages des chefs d'État. Le président Ramaphosa a fait le voyage à Kamikite. Peut-être que c'est la première puissance économique d'Afrique noire. Tu peux m'expliquer cela? Mamadou Issoufou, il y a, je ne sais pas si je prononce bien son nom, il est président Nigeria. Ne voyage presque pas. Mais c'est la deuxième puissance économique d'Afrique. On dit même maintenant que c'est la première puissance économique d'Afrique. Pourquoi vous pensez que le fait que Félix voyage, non, il y a le bac qui était sur qui a voyagé. Le coup là, on a salaire, on a eu salaire, on a été. Bon, on a voyage, on a allié à Kabou. Donc, comprenez qu'il faut multiplier les voyages pour avoir plus de restes et manger, s'assurer des voitures. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on vous dise des vérités? Donc, qu'on confonde été, qu'il y a un Kabila a organisé. Ma camarade francophonie, ah ouais, non? Bah, Sarkozy, bah, il y a un vous avez gagné quoi de la présence de Sarkozy ici? C'est vraiment. Nous, tu as une politique moko intelligente. Tu as une politique à bas compétence. Laquelle? Tu boi koya oh non. Kabila Azar Rwandais. Nous on a gagné quoi de ça? Félix Azar Sénégalais. On a gagné quoi de ça?
Donc arrêtez ça. Nous n'avons pas besoin de ça. Maintenant, va visiter Ngamba le Bélé, Natambele Mbouke le Bélé, parce que c'est maintenant que lui est en train d'apprendre les problèmes du Congo, les problèmes du monde. Non. Cet amateurisme, on n'en veut pas. Dieu merci, les Congolais ont compris. Les choses sérieuses vont commencer avec un président sérieux, un président intelligent, un président informé, un président formé, un président visionnaire, un président bien entouré. Et nous voulons que le Congo puisse être le patron de la sous-région. Pas un suiveur. Parce que Félix est mal entouré. Ça à vous d'interpréter comme vous voulez. Moi, je dis que les Congolais ont besoin d'un président intelligent et visionnaire en 2023. Et nous allons l'avoir. Vous allez l'avoir, mais vous venez de dire aussi que vous avez amené au Memi politique intelligente. Quelle est la politique intelligente que Lamuka a instaurée dans l'opposition au peuple congolais bah, comme on en a pouvoir? Parce que l'IDP a clamé 37 ans dans la rue, mais aux affaires, tout, comme on a quoi qu'il est. Vous, en tant qu'aujourd'hui opposition, qu'est-ce que vous promettez ou bien qu'est-ce que vous faites déjà? Il y a intelligence dans cette opposition pour ne pas parler de la présidence. Par exemple, à ce qui concerne la sous-région. Politique intelligente, Nabiso Zaïa Goloba. Accord 4 d'Addis Abeba, dans sa grande partie, doit être révisité. Que les obligations qui ont été faites au Congo pour démocratiser le Congo, ce qui est bien, ils ont été faites dans Rwanda. Autant au Rwanda comme à démocratique, bah, FDLR, bah, Zong et Panabango, ils vont se réconcilier entre eux, ils vont nous foutre la paix. Passez-moi l'expression. Idem pour l'Ouganda et d'autres pays. Mais aussi, il faut réformer l'armée pour que les frontières du Congo ne soient plus poreuses. Il faut renvoyer les soi-disant réfugiés rwandais, ougandais, burundais qui équiment nos frontières et qui pillent, qui violent, qui brillent nos villages. Et ceci passera par exigence pour ça dans le Conseil de sécurité des Nations Unies pour nous convoquer une réunion d'urgence pour nous statuer si les réfugiés ou non. Les faux, bazonge pa na bango, les vrais, on a le droit humanitaire international, tout comme tout petit kabangé pa na biso, pour être bisopé, bas congolais musu, bas appelé bas réfugié, bambo kamusu. Aussi, nous avons dit qu'il faut créer une unité spéciale à surveiller sa frontière, parce que bas tomboki wana bas kubimu pa na biso, les lots avec état des pièges, nous sommes à plus de 3000 morts. Et plus de 3000 maisons brûlées, des milliers de personnes portées disparues. Mais il y a des avancées significatives. Qu'est-ce qui se passe au fond? Vous avez raison, il y a des avancées significatives, significatives plutôt, mais que nous ne voyons qu'à la RTNC. Et donc, nous n'allons pas tomber dans ce piège-là. Nous demandons. Que les choses changent et ces choses-là, les choses vont changer avec de l'intelligence. Voilà, politique au Tokoya n'a rien que pour ça. Pour le reste, qu'il y ait le programme, la gouvernance, il y a Martin Fayulu, et vous prisez par l'élément, il y a bien. Alors, moi, je suis un principe qui est toujours indépendant, mais on ne peut pas passer au truc au fond, moi, brèche, moi, quand il y a que. Pendant Zouaka Binto, Zonato, Zouaka Yote, le coin de Toyambaka, Denile Sina Mukuna. Pourquoi vous parlez d'eux? Parce qu'ils sont quand même des hommes de Dieu. Au-delà de ça, ils s'impliquent aussi dans la politique, ils prophétisent, ils parlent de la politique et il y a des changements. Mais pourquoi vous vous acharnez ou bien vous autant à comment on a bon de dénigrer Bango? Bon, je vous laisse imaginer tout ce que vous voulez. Ce que je voudrais vous dire, c'est que. Les deux mondes sont différents. C'est-à-dire? Et que l'animation populaire, autant que nous avons les médias, la politique est une affaire de meilleure. C'est la gestion de la communauté, de la société, de la cité. Et elle requiert tous les sérieux du monde. Ne venez pas ici s'ipiter. Surtout pas, et ça vraiment je vous l'interdis, que vous nous envahissez avec des soi-disant prophéties. Ces gens-là n'ont qu'à prophétiser pour les fidèles. Mais laissons la politique à ceux-là. Non seulement on va prendre Yango, on va prendre le Congo, on va prendre le problème du Congo et ceux qui réfléchissent pour proposer des solutions au problème du Congo.
Voilà ce que je voulais dire par là. Et parce que souvent, quand on entend les micros, j'ai l'impression que les gens cherchent les sensationnels, les buzz, comme on dit en anglais. Et moi, je ne suis équipé ni pour les buzz, ni pour les sensationnels. Je suis pour la vie des gens qui, par des actions politiques et hasardeuses, peuvent causer et peuvent avoir des conséquences irréversibles. Voilà, merci beaucoup, mon Mboka Prince Pengue. Parlons aussi des hommes de Dieu. Il y a un homme de Dieu, Joël Francis, qui a dit, parce que je crois que vous lisez quand même la Bible, et vous savez que du temps de roi et des prophètes, prophétiser pour la nation, lui aussi, il a prophétisé. Il a dit que ça va plus être qu'un avion qui tient à l'Est République démocratique du Congo. Bongo. Tokomona bongo ba infiltré nyonso batuma benyonso ya Est République démocratique du Congo bakoy bakobima. De l'autre côté, vous aussi la Muka lors ya makambu ya installation à bureau à Séni bokarama kimbingi na bat église catholique lelo quelle lecture que ko ça lelo na ba religion na biso na ba confession religieuse au sein de la politique congolaise. Est-ce qu'il participe pour le développement de la République démocratique du Congo, pour l'intérêt de la population autour ko lobeto zo militer tous les alika rapo na ba intérêt personnel accompagné de vous l'opposition? Bon, na ebite ba kombo ya bato ko sitelenga wana ce qui baza banane d'après yo baza ba prophète. Mais une chose est sûre, biso kutu ba politicien to sambe la kolika bango nandeni retenez cela. Quant à l'église, oui, l'église catholique donne beaucoup, même si par moment elle vacille. Et elles se contredisent, mais nous reconnaissons quand même qu'elle est la première confession avec les CC à être souvent aux côtés du peuple, contrairement à certaines personnes au Tanganyika Combo avant. Moi, je ne suis pas là pour savoir qui travaille pour le Congo, qui ne travaille pour le Congo. J'attends un politique, vous devez savoir ceux qui sont en train de travailler pour l'intérêt de la population que vous défendez jour et nuit. Je sais que l'Église a une mission qui est différente de la mission des politiques. L'Église a sa mission de sauver les âmes, dénoncer le mal. Notre mission à nous, avant tout, c'est de sauver la vie des Congolais, de construire le Congo avec des gens honnêtes qui ont aussi la foi. Moi, je suis chrétien. Et un chrétien, c'est avant tout la foi. Tous les Congolais convertis sont des gens qui doivent se mettre debout pour changer le Congo. Voilà ce que je sais. Alors, ne m'amenez pas dans le monde de prophétie, parce que très souvent, en science, on dit que Dieu est mort, vive la raison. Et la raison est avant tout le premier facteur qu'un politicien doit avoir. La foi, c'est avant tout chrétien. Donc, avant que je ne fasse la politique, Nazali chrétien. Et donc, j'ai la foi. Ne me posez pas la question de la foi, parce qu'elle est à moi. Je n'ai pas la prouver, mais j'ai plutôt à la vivre. Quant à la raison, je dois la prouver par les décisions que je prends. Donc, ce qui est la foi ne se voit pas. Sinon, c'est les actes qu'on pose qui démontrent la foi. Okay. Mais la raison, elle se vérifie par les actes que nous prenons. Donc, il est facile d'avoir la raison. Alors, il est facile d'avoir la raison. Nous voulons maintenant boucler avec la question électorale. Aujourd'hui, cette question d'Ali Kotungisa, un bon nombre de Congolais, la classe politique congolaise, beaucoup pensent que Toroleka Bongo Penza n'a élection qu'au sein les matins, mais la fois dernière, grâce à Dieu, le chef de l'État a réuni les structures organisant les élections, le NIP, la CENI et autres. Yon en tant que moyen politique, objectif, les 2023, cap, les élections l'élection Bolonga. Lecture, nous avons fait feuille de route, il y a des Nikadima, Penamakamus, Bako, Balokwa, Bakwa, que ça a été 2023, élection à la terre. Merci. Tout d'abord, Kadima Kazadi. Kadima Kazadi. Bangomi Bali a un dénominateur commun. Le fait d'appartenir à l'IDPS comme parti politique. Oh. Et Bangomi Bali a un objectif moko. Soit va provoquer glissement, soit va faciliter tricherie pour Félix Sazan au pouvoir. Atika au pouvoir. Mais malheureusement pour Nabango, je crois que depuis que Bakomi ba nouveau riche, ba kendaka sou na cité té ba kendaka na ba province té pona ko yo kalo lengé peuple a lingi boule a lingé le Félix boule na nyo sakwe c'est que ba ko zala dégager na 2023. Et je vais pas faire la langue de bois, ce que l'élection est allé té peuple a ko bengana Félix ba bengana ndi
Parce que la Constitution dit que le chef de l'État reste en place jusqu'à ce qu'on élire président. Vous devez maintenant, vous voulez maintenant violer la Constitution. Le colosali kabiliste aux yeux interprétation à la Kabila. Non, ça kabiliste, c'est un journaliste. Moi, je vous dis que interprétation à la Constitution, c'est que ce qui est l'exualité, le peuple dégage, Félix. Nous croyons aux élections, Bissou Lamouka. Parce que nous ne croyons pas au coup d'État. Même où il y a faux, où il y a distraction, nous ne croyons pas au coup d'État. Je suis un peu plus grand que ça. L'Union sacrée était morte. Ah, maintenant c'est ressuscité. Dès le début. Pourquoi que tu as un coup d'État? De toute façon, un pays mort. Au Rubet, un coup d'État, pourquoi? Non, la RDC est mort. Nous croyons aux élections parce que nous pensons que notre peuple avait fait son travail en 2011, en 2018. Ils ont eu trahison à Félix, les mêmes qui étaient Kabila, Tika, Latino, Lelo, on va publier Zahir Nango. Donc, la seule façon, il y a un changement pour préserver la vie à Bato. Ils ont dit que Namando quittait le coup d'État et les élections. Le peuple congolais a besoin de changement. Changement a besoin de beauté. Ni en 2011, ni en 2018, ni en 2023. Sauf qu'il y a terrain, il y a un peu de terrain, il y a des gens qui ont besoin de Gombe. Mais, quand les Congolais ont besoin de rendez-vous 2023, vous croyez que, pourquoi ils disent ça? Parce qu'il y a un peu de temps en 2023. Ça veut dire qu'ils veulent envoyer tous ces gens ici dans le chômage. Pour nous, c'est ma colonne. Malheureusement, Félix a clanisé ça, a tribalisé. A tribalisé par institution qui a organisé l'élection. Nandé. Il y a Kuna Kabedi, Kuna Kazadi, Kuna Kadima, Kuna Kalouba. Bref, quand ils ont organisé l'élection, ce n'est pas possible. Je suis d'accord, Mbosso Zamoulou Baté. Ok. Bati, Azali Moulou Baté, Azali Baman Bouignon Sacré. Je parle, il y a une institution où Azali directement n'a pas de responsabilité pour nous organiser l'élection. D'accord. Coup constitutionnel, ok, Yomoni Kalouba. CNI, ok, Yomoni Kadima. Ministère des Finances, ok, Yomoni Kazadi. Banque centrale, ok, Yomoni Kabedi. Ce qui va Kabedi, na Kazadi, balingi bazo agrissement, va couper sa bombe na CNIT, c'est le cas actuellement. Ce qui Kadima, na Kalouba, balingi va accompagner fraude, ndenge bazali nommé pour accompagner fraude, va fabriquer des résultats pour valider en gros. C'est au Kolangaï, na organiser l'élection. Na zui chaque on a tié na CNI, na zui okit on a tié na cour constitutionnelle. Nazui Umeunga na cheye na banque centrale, nazui Okoto na cheye na ministère des Finances. Non, c'est pas comme ça. C'est pas élection pour administrer un territoire à l'autre jour d'être organisé. Donc bref, nous voulons ici que toutes soient élections neutres. À l'époque, avec Papa Étienne Sekedi wa Mulumba, Kanaka Tolobaka, bisous tout le monde pour la transparence. Kabila sokoza mobali. Chasser les années, au moins de combattre. Ce que vous avez confiance dans le projet, allons-y. Malheureusement, l'IDPC, il n'y a que copier Kabila en tout. On ne peut pas changer le Congo comme ça. Malheureusement, il s'est entouré que des kabilistes maintenant. Les kabilistes que vous avez fait les blocs patriotiques la fois dernière. Les kabilistes, tout ça, les blocs patriotiques, c'est beau. Pour diriger le pouvoir. Non, c'est comme ça que je vous dis que. Je crois qu'avant, monsieur, aussi là, il y a une question confondue, il y a une question si Peignel, il y a une question si Amadja, comment ça s'appelle Madjabou. Et c'est comme ça, c'est ça. Non, arrêtez-nous cette distraction.
nous étions sortis dans la rue pour dire, conformément à l'article 64, tout Congolais a l'obligation de sortir dans la rue, d'empêcher ceux qui veulent prendre le pouvoir par la force et l'exercer par la force. Félix est en train d'exercer le pouvoir par la force en utilisant la tribu, en utilisant l'argent de l'État, en achetant des gens, en débauchant des gens pour organiser une CENI à sa taille, oui ou non? Oui. Ce qui est au lobby, c'est ce qui est à l'article 64. Les Congolais ont une obligation, mais yo. Alors, ce qui est au cancer, Chadar Yaza Congolais, c'est ton problème. Article 64, le lobby, à tali coloté, à tali tributé, à tali parti politique, à lobby, tout Congolais. Alors, si vous pensez que c'est ça, être ensemble avec Kabila, vous avez votre interprétation. De toutes les façons, là, mon dossier sera beau, il faut comprendre. À ta, au même, il n'a pas comprendre. À ta, il est soyez à condimater. Alors, nous sommes convaincus que nous allons gagner les élections. Parce que les changements, comme l'avait dit Félix, ce qu'il s'appelle Martin Ferlo, ça n'a pas changé. Tous allés prêts pour nos élections. Nous, la Mouka. Nous, ADD Congo, nous sommes prêts pour les élections. ADD Congo, en ce moment, nous sommes en pleine période, il y a recrutement, il y a sensibilisation, il y a adhésion. Toi, dans siège, j'ai à boyer. Chaque semaine, nous sommes ici. Nous sommes en réunion stratégique. Partout, au lobby, la Mouka est ici, là. Pour nous, l'objet que la Mouka est Koufa, le Koula Congo. Ce qui l'amour ici là, vous dites comment un tsunami il met non, na l'isala. Bon le bac yo, l'isala est allé ya Bemba. Le coup là tu dis Bemba n'est ni sacré, tu passes des ministères. Bemba a tekli biso l'isala. Comment qui na l'isala non? Babi faillu l'empêcher sans falangaté, après sa poloté, chapoté, tu votes qui est nako, tu votes nako. Bah na l'isala bah vendi bétidia l'isala ni on se va s'engager babi, on déclare faillu le candidat comme du peuple. L'amour que Koufa. Na sengiyo oya na bandaka omo na bi mon ami na deux semaines vérité ya lobe vérité na bi keto okende donc nous sommes préparés aux élections mais Félix a azana bilanté azana préparé glissement makozo yangote ce qui a provoqué glissement a glissé seul et le peuple congolais a tika la na faillu parce que si y a glissement faillu prend le pouvoir et on organise le peuple s'organise voilà voilà pour violer la constitution. Le peuple a le droit de violer la constitution parce que la constitution s'appelle le peuple. Merci beaucoup na mon amboka prince pengé ngena toutes nos questions moko me répondre mais au répondre au bien te ce qu'on permettre en 2 minutes. Vous me permettez? Merci beaucoup. Vous avez dit ici que la Mouka est une politique très intelligente. Dans son intelligence aujourd'hui avec la politique, s'il arrivait qu'il y aura glissement, ndo tu ko tengela nga awa été Tshisekedi a nommé Batunaye, oh, Bakosa a été élu à la tête, ceux qui ont si c'est Nimbo Moté pour organiser l'élection. Nakati intelligence, il y a politique très évoluée, il y a l'amour comme vous venez d'évoquer, vous préparez nous. L'amour qu'a Ezali, il y a peuple. Tout n'a pas de peuple à préparer nini. L'amour qu'a Ezali, il y a besoin d'informer peuple. Peuple a lobby. Que ce que l'élection a été à côté dégager Félix. Nous avons eu un dialogue. Zéro. Félix a organisé un dialogue boni, moko, consultation union sacrée. Tu as qui na banane, Bemba Katumbi. Bakendeki to bakendeki te, bakendeki. Bazui ba ministère to bazui te, bazui ba ministère. Bazali ko li a mbongo ya union sacrée le. Fayulu akendeki to akendeki te, abayi ko kete. O kanisi ce qui Félix Fayulu akendeki, angaya zanga ministère angala zo yango. Mais pour na boya ki. C'est parce que Fayulu n'a jamais été derrière l'argent. Le prince Epeng n'a jamais été derrière l'argent. Donc, réponse est limpide. Parce que le dialogue est créé, ils ont pris même pas 7 mois. Alors, tu créé l'union sacrée. On n'était pas parti. Parce que nous avons une vision, un objectif clair. Les peuples souffrent, les peuples ont besoin du changement. Les lots économie en Boka et Koufi, pas détournement partout, à Wakadi, Makazadi, on est théâtre en Abango.
babi misi ça et 4 millions de dollars pour na seni kadi manakaza di bako de konoto be 37 millions. Où est passé les 67 millions de dollars? Les lots ont coûté 300 millions en bongo ya ministère et qui n'a ministère santé ou ba yibi régime à détournement. Oh, nous savons que Montigny sont coûté en 4 ans pour détourner. Ils ont détourné des millions. Ils détournent maintenant, ce sont des milliards maintenant. Si on avait besoin d'argent, on serait parti il y a 6 mois. Pourquoi on n'était pas parti? Pourquoi on partit aujourd'hui? Et pourquoi tout Kabila, tout ce dialogue, tu participes à Katé? Et quand on a l'intelligence nécessaire, ce type de débat ne serait plus mené. Et vous le savez. Vous êtes suffisamment intelligent, le peuple congolais est suffisamment intelligent et il ne croira pas à cette distraction. Nous disons CAP 2023. Élection ou rien. Mais élection où ils sont transparentes. Élection que vous avez organisée par une tribité. Merci beaucoup, mon ambo Prince Pengeza. Qu'est-ce qu'on peut dire Sarah Kabenge, les mythes à la grande envergure, qu'on y a mis la bino na plateau, ya atu, MK atu, mon ambo Prince Pengeza. Les bongo président, ya ADDECO. C'est ça la logique, non? Voilà, Prince Pengé, président ADD Congo. Peu mon quoi va penser sango à la muka. Na pesio merci Ming, na lobi na va congolais. Je suis très fier aujourd'hui de dire que je suis Kassaïen. Parce que les gens ont voulu confondre une tribu et les pouvoirs volés. Heureusement, le Congo restera un et indivisible. Jamais les tribus du Congo entreraient en guerre. Jamais. Jamais on instrumentaliserait une tribu du Congo pour des fins politiques et électoralistes. Bana Kassai Balobi, nous ne reconnaissons pas ses pouvoirs. C'est lui qui a pris ses pouvoirs. Non, c'était pour s'enrichir. Il y a un peu de temps. Tu yambi opo na ko rendre hommage na Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Ali makila na biso. C'est ça non? Ba ko ko boya ngai na loja, me ba yambinga po te ngai motu na ba kunja na loja, c'est normal. Me ba ko yambanga te po na projet na ngai po na échouer. To comment na mode la fin. Donc, c'est très clair. Bravo na bana ya Kasai, na bana ya Équateur, bana ya Katanga, bana ya Kivu, bana ya province orientale, bana ba Congo bandundu Équateur. Ben la nuance va comprendre avec les pouvoirs Oyo et les pouvoirs à trahison dès le départ et tout se confondre dans un gros T. Alors je vois les efforts à Félix et tout ça pour se comporter en chef de tribu. Heureusement que toute notre tribu, tu as un abattu à Maïle, tu as sagesse, va comprendre que nous n'allons pas confondre les Congo reste Congo. Tu liens à Kabiso Nabiso, tu bats à Kabiso Nabiso, dans la Kasai. Ba Congo bandundu Équateur Katanga Kivu Manyema bisobanso toyebi makambo wana teto tanga bi université moko libanda to liaka ensemble to ko voyager ensemble to ko se protéger ensemble ko la bana ya Congo Lumumba bundeli Mobutu bundeli Kasavu bundeli Chombe pa bundeli dans une certaine mesure Musée bundeli Joseph Kabila Kimbangu bundeli. Non, je crois pas que Kabila bundeli Congo. Oh. Voilà, c'est Congo là. Ça, c'est Congo là que nous voulons et que nous voulons sauver, concrétiser avec Martin Fayulu Madidi. Attendez votre nom. Merci beaucoup. Vous avez besoin, bonsoir. Moi, je suis Prince Epengé. ADD Congo est fongoli, ba porte nango partout. Y a moi na maluba, y a ba comité y a ADD Congo. Ba ibise kinga sarami ta kabenge di boso y a diaspora congolaise nyonso. Ata besoin na mokili mobimba. Balobie te bafungoli ba porte na bango po na bino bolingi bozo bango bobenga biso na numéro na biso to kopesa bino ba orientation na Kinshasa ezali le parti ezali sur de l'enseignement 191 avenue de l'enseignement 191 non loin ya parti ya ba parti politique msuna ko tanga ba komboté. Alors to mwani bongo mikro mizali ko ya esengo na ngeza la katango bo partage ka bo like ka pe bo commenta ka biso to sadika musala o etikali ezali ba réaction ya bino to mwani. Au revoir.